J'ai enlevé ça comment? Bref, mon bail est donc rempli et en fait ça c'est biodégradable. Bref, du coup, je me suis dit ouais bon, je vais juste l'ouvrir ça et ça va s'en aller. Et là, regardez, ça remonte par tous les tuyaux. Regardez mes toilettes, ça arrête pas de monter, j'en peux plus. Oh! Du coup, j'ai ouvert cette vanne-là pour que ça va dans les tuyaux et en fait, ça remonte par tous les trous de la maison. Du coup, voilà, vous étiez nombreux à me dire pour les chiottes en fait qu'il fallait que j'appuie sur la chasse pour que ça s'en va. Du coup, je vais essayer ça. Même là, ça remonte! Merde! Le bain, il commence à monter. Ça veut dire que les billes, ils grossissent. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, les billes, de base, c'est tout petit comme ça. Et avec de l'eau, en fait, en quelques heures, ça grossit. J'ai fermé la vanne. Du coup, les billes dans la baignoire, ils sortent plus. Bref, c'est pas du tout ma priorité. Ma priorité pour l'instant, c'est de sortir tous les billes dans les tuyaux. Du coup, vous étiez nombreux à me dire, faut mettre du sel dans les canalisations pour que ça rétrécisse les petites billes, parce qu'en fait le sel enlève l'eau. Bref, du coup, on va tester ça parce que regardez, là, ils sont toujours encore là. J'ai dit, Marie-Joseph. Du coup, là, je vais mettre du sel et après, on va voir ça. J'ai laissé couler l'eau, regardez, et ça fait un peu de bruit, ça fait des bruits bizarres. Écoutez-moi ça, c'est trop bizarre. En tout cas, je suis content, j'ai réussi à tout enlever. Mais, oh là! Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Je fais la tournée caca avec mon chien Albert, et là, je vois quoi? Je vois des billes partout, et regardez là-bas ce qui sort, des égouts! Après, je dois appeler des professionnels, je fais quoi là? Est-ce qu'un plombier, ça sert à quelque chose? Je crois que je vais clamser, je vais faire un AVC là. En fait, j'ai relevé mon courrier. En gros, après la balade de mon chien, j'ai relevé. Je vais à la boîte aux lettres. Regardez si j'ai du courrier. J'ai reçu une lettre du même. On a tous reçu la même lettre dans le voisinage, je crois. Obstruction des canalisations. Madame, monsieur, suite à plusieurs plaintes, nous avons découvert que plusieurs bouches d'évacuation ont été obstruées, ainsi que plusieurs jardins. Merde! Sachez toutefois. Chaque habitant ayant trouvé cette substance sur son terrain devra porter plainte contre la personne responsable de cette pollution pour obtenir une sanction pénale. Nous avons déposé une plainte ce matin à la gendarmerie pour découvrir la provenance de cette pollution. Jésus-Marie-Joseph, je vais faire un AVC, merde. Mon Dieu, Jésus-Marie-Joseph, j'en peux plus. Ça va jamais se finir cette histoire. Ça va me coûter hyper cher, je le sens. J'ai vu que les égouts, ils sont bouchés. Là, c'est en train d'inonder toute ma rue, Jésus-Marie-Joseph. Il y a les billes qui sortent de partout, là. Je crois que j'ai une seule solution, c'est de tout avouer, quoi. En tout cas, il n'y a plus d'eau, de billes d'eau qui remontent. C'est ça qui est bien, déjà. Déjà, ça, c'est un bon point. Restons optimistes. Je viens de te dire qu'il n'y a aucune bille d'eau. Et regardez. Là, regardez, c'est quoi ça? Merde! Regardez! Mais je suis trop content. Regardez, j'ai enfin réussi à enlever tous les billes de la baignoire après 3 heures de travail. Je suis trop content, mais par contre, mes tuyaux, ils sont toujours encore bouchés là. Je sais toujours pas encore comment je vais faire. Mais regardez, je suis trop content. Je peux me faire un petit bain. Mais attendez, mes saucissons, je vais faire quoi avec tous ces billes d'eau? Je les mets où? Je peux pas les mettre à la poubelle, non? Si?